Cool, mais quand le téléphone m'impose une application à la con. Ah, c'est vrai. Voilà, donc on a coupé le temps que la personne avec son chien passe et on prend là où on en était. Je remets dans mon petit compartiment le téléphone. Voilà, Ça qu'on fait continue de filmer, voilà la comme promenade. il fait nuit, on voit plus, enfin comme il fait plus sombre, on voit que tout. Non, il fait pas encore nuit. J'espère que quand il fera nuit, on sera déjà rentré chez nous. Il est quoi là? Il est 16h. Oh, 16h30, on va vers les 17h. Au niveau de l'horaire. Sachant que je rappelle que notre périple a commencé, on s'est donné rendez-vous à 11h sur la Plastane. Ah oui, bien sûr. Non, je pense que la Plastane, on va la rejoindre à partir de 18h, 18h30 au plus tard. Et puis ouais, se faire un final dans le bar en question là. En espérant qu'il ne soit pas en congé estival. Ah oui. On verra. Parce que là, c'est en plein milieu des vacances. Là. On verra. Il n'y a pas les éoliennes, les biotiques. Ouais. On tentera notre chance. Mais ouais. Oh merde, encore un chien, c'est dur que. Je vais devoir couper la caméra ou filmer ailleurs. Bon, tant qu'il y a le chien, ça va, mais normalement, il doit y avoir un maître qui suit. Voilà. Oula, il y a du monde. Ouais, donc il faudra que je filme pudiquement sur la droite. Ah. Ou alors il préfère serrer à. Oui, le chien serre, donc on va prendre à gauche. Et je filmerai plutôt à gauche. Non, pas tourner, Ah ouais, serrer, serrer, pas tourner. Nuance. Attends, je ralentis vraiment parce que j'aimerais vraiment filmer le périple, le chemin, mais le temps que ces messieurs dames passent. Bah tiens, je peux filmer un peu derrière le chemin qu'on a parcouru. Voilà. Le côté boisé. Ouais, c'est sympa. Le truc, il est en gosse. Oh, ouais. Quoique. Ouf. Quoique. Ah, ça me rappelle un beau souvenir. Bonjour, messieurs, dames. Voilà. Ouais, c'est bien, au moins ça fait des plans au niveau des bois. Hop, voilà, je reprends le chemin. Oui, alors ton anecdote, on va dire végétale. J'avais une camarade de classe au lycée, elle faisait Laetitia, juste pour dire son prénom. Laetitia qui m'avait montré un truc vachement beau. Je sais pas où est-ce qu'elle avait appris ça. Elle prenait un coquelicot, et en fait, le coquelicot, elle arrivait à... Alors, c'est du doigté, en fait, un peu comme si tu faisais du pliage de papier origami, avec les pétales de la fleur. Elle arrivait à en faire une danseuse de flamenco. Trop classe, trop beau. Ouais. J'ai presque envie de dire, à mon avis, on va suivre les flèches oranges, parce que les flèches oranges, je les avais vues près de la cabane en bois. Donc c'est con, mais... Au cours de circonstances, mais ça correspond normalement à votre périple. Là, tu vois, on va tourner. Ouais, à droite. Ouais. On va revenir sur nos pas. Oui, donc ça, c'est des sentiers qui ne sont pas familiers, en fait. T'as jamais arpenté ici? Non, c'est pas familier pour moi. Hein? Ah bah, je suis content de te présenter ça. Ouais.
Hein, quoi, t'as vu quoi? J'ai entendu un petit bruit de petit animal. Ah. Ah, parfois tu peux voir des écureuils, mais c'est plutôt tôt le Peut-être un matin écureuil, oui. qu'il y a des écureuils. Peut-être. Ah, j'ai déjà vu Je vois des. rien, mais. Là où on s'était posé, où il y avait l'âne et les moutons, une fois, j'avais vu des. Attends, sans déconner, je vois un truc au sol. Un chevreuil ou une biche. C'est un bout de bois, ça fait tout seul. Non, non, non. J'ai vu un truc au sol bouger, du genre un oiseau planqué sous des feuilles mortes, ou ça faisait l'effet là. Non, j'ai vraiment vu un truc. Instant Ushuaïa. On On dit essaye plus rien. de capturer en vidéo la bête. Non, par contre, je sais pas si tu vois ce que je vois, Frobose, mais je vois un truc en métal. Ah oui, ouais, je vois un truc en Ouais, métal en noir, ouais. surface. Ouais, c'est bizarre. C'est peut-être le fameux drone dont je te parlais. Ah bah vas-y, 100 000 balles. C'est bizarre. Oh puis non, finalement, pas 100 000 balles, il y a trop d'arbres. Non, mais on pollue tout, quoi. Ça fout les jetons. Tu vois bien que le morceau en métal poli, il a rien à foutre là. Est-ce que sur YouTube il y a aussi le système de. C'est quoi, c'est SACEM? Ah, la SACEM, la revendication des droits d'auteur. Oui, il y a ça sur YouTube aussi. Oui, plus que sur Twitch d'ailleurs. Ah oui, en plus. YouTube est plus sévère. Ah, d'accord. Autant j'ai des trucs qui passaient sur Twitch qui passent pas sur YouTube. YouTube est plus sévère. D'accord. Plus restrictif. Ce que j'avais dit, moi, quand je diffuse sur mon antenne la musique libre, enfin dite libre, j'avais eu un problème sur YouTube où j'avais pas le droit de publier ma vidéo. Et parce qu'en fait, un des loustiques, soi-disant artiste du libre, avait pris des extraits d'une œuvre payante, protégée. Ah. Ben, ça a été détecté, et là c'était très restrictif, c'est-à-dire vous supprimez, vous rendez muet l'extrait, vous le supprimez, sinon pas de publication, carrément. Moi, je demande même pas de la rémunération. Ceux qui ont plus d'emmerdes, c'est ceux qui demandent de la rémunération. Là, c'est vraiment chiant. T'as qu'à entendre les témoignages du joueur du grenier, pour ne citer encore que lui. Mais moi, je m'en fous, je demande pas un denier de ça. Et de toute façon, je suis pas éligible, hein, j'en suis pas les critères de YouTube d'ailleurs. Et surtout, les musiques, il y a souvent des musiques qui présentent des musiques qui peuvent être interprétées comme une violation de droit d'auteur. Bah, c'est ce qui s'est passé avec YouTube. Ouais. Il a reconnu l'extrait de protégé dans la musique dite déclarée libre. D'ailleurs, j'ai pas pris le temps d'écrire à l'artiste incriminé pour lui dire là, vous êtes en faute. Vous devez retirer votre truc parce que. Ouais, mais c'est compliqué les notes, hein, Ouais. c'est pas proche de la. Mais non, j'avoue, là, j'ai pas pris le temps de faire. Mais de toute façon, j'ai supprimé de ma liste de lecture l'intéressé. Enfin, l'œuvre incriminée, on va dire. C'est les autres morceaux de l'artiste qui passent, je les ai encore gardés. Je boycotte pas pour autant le dit artiste, mais. Non, non, l'œuvre. Feu rouge, hop, éliminé de la liste de lecture. C'est comme ça. C'est dommage, hein, parce qu'il y a des belles musiques des fois. On c'est va dire. Nostalgique. Hein? Tu fais des moments uniques qui sont excellents. Ouais. Ah, puis de temps en temps j'en écoute, donc ça va s'étoffer, je vais en rajouter au fur et à mesure. Ça deviendra vachement éclectique dans les prochaines années. Là, je crois qu'avec sans mes œuvres, je crois que mes propres compositions, je crois que j'étais à 300 titres déjà. Mais je pense que le millier de titres va assez vite arriver d'ici un an. Je pense que j'arriverai à un bon millier de titres.
sur le chemin d'origine. Yep. Et si j'ai bien compris, j'ai pas tout compris, mais on va rejoindre la butte. C'est ça, ouais, on va essayer d'aller dans la cabane. Toi, tu reconnais ? Ouais. Quand j'avais annoncé la bifurcation. C'est bien, il n'y a personne, ça m'arrange. J'aurais pas à censurer le. Tourner pudiquement la caméra. Voilà, on va essayer d'atteindre la cabane en bois. Sinon, au pire, si l'endroit n'est pas satisfaisant, on viendra rapidement ici sur les bancs, essayer de se restaurer un peu. Puis ce sera la dernière partie, la descente sur la ville. C'est pas grave, je l'ai vu. Non, toi, il faut pas que tu te bousilles la cheville. Ah oui, c'est bien. Les baskets sont bien. Mm-hmm. Je vois, je fais confiance à mes baskets, elles sont bien. Elles tiennent encore. Elles commencent sérieusement à s'user, c'est vrai, mais elles tiennent encore. Comme c'est des baskets, c'est principalement fait pour la marche sur le tube. Quand tu as un rocher, tu as une protection, ça passe. Ouais. Toi, par contre, ça peut te faire mal. Ouais. Faut que je sois prudent. Ouh, le soleil qui tape à nouveau. Oh oui, oui, qui tape. Le climat. Ouais, il tape, il tape. Apparemment, je filme toujours. Ouais, je filme toujours. Voilà, les flèches oranges. C'est là dans le monde qu'il y a la baraque. De mémoire. Oh merde, il y a du monde. Ah, moi qui va vivre, vous allez me poser et qui va partir. Ouais. Ah, ouais, il y a une jolie table. Pour un table festif comme dans, ouais. Comme dans une certaine BD Astérix. Ouais. Voilà. Alors si monsieur va à la cabane, on va sur la table, mais bon. Ah. Comme dans le film Batman de 1989, tu vas au bout et moi je vais là. Ah, ouais, ou la rencontre Poutine-Macron. Ah oui. Ouais. J'ai pas pensé. Quoi? Attends, il y a une inscription de fou. Ah bah bravo. C'est une chose magnifique ou des insalités ? Antoinette, je t'aime. Ah c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, on évite d'aller dans la cabane, on reste là ? Parce qu'on est à l'ombre ? Il est là-bas le monsieur. Je crois, ouais, je suis pas sûr qu'il soit complètement parti, ouais. Bon, on est bien là, sur la table. Ouais. Attends, on va se poser un peu. Attends. Ouais, pardon, je filme un peu le ciel. Merde, il y a pas. C'est vrai qu'il y a le dessert. Bah là, je devrais, s'il n'y a pas de guêpe. Ouais. Oh, cible. Ouais. Le tir à l'arc. Oh putain, ça bas. Oh oh, j'ai cru que j'allais me casser la figure. C'est bas. Voilà, ça filme toujours. Ça filme toujours. C'est vrai qu'ils aient fait une grande guêpe comme ça. Voilà. Oh bah tiens, pour le coup, je vais peut-être oser le filmer un peu moi. Vas-y. Puisque on va assez vite. Oh ouais. Ah, attends, il faudrait presque que je cale sans que ça tombe. Ah, attends, je vais sortir un truc. Bouge pas. De toute façon, tout à l'heure, je te demanderai de faire le caméraman parce que. Je peux la tenir. Je vais exhiber la. Comment ça s'appelle ? La caméra. La serviette. Attends. Oui, j'ai ma salade, du coup, j'ai pas mangé. Je la mangerai ce soir, tant pis. De toute façon, je vais déjà sortir la serviette. Oh, t'as de l'eau, génial. Ah oui, t'as soif, soif. Ah oui. Tiens, vas-y, c'est je ta bouteille. Je ne vais pas te demander. Oh, t'aurais dû. Ça, c'est ton verre. T'aurais dû. Le mien, il est
Et non, j'ai vu une deuxième bouteille, mais j'ai l'impression qu'elle est tombée. Attends. Ouais, si, j'ai de l'eau. Attends, j'espère. Pardon, je filme n'importe comment. C'est beau, je revois le même. Oui, bah tant pis. On fait avec ce qu'on a. Voilà. Bon, j'ai rincé un peu le verre. Ouais. Je pense. C'est de l'eau minérale de. Je ne connais pas. De l'eau minérale inconnue. Tiens. C'est l'eau de la Meurthe. Non, merci. Non, c'est de la Marne, ça. C'est de la Marne. Ah oui, mais t'as emballé ton. T'as emballé le gobelet que tu m'avais prêté. C'est de l'eau. Bah, il est là, mais. Tu l'as souillé. Oui, hein, ça arrive un peu souillé. Oui, c'est pas grand. Merci. J'aime bien ton. Un petit coup d'épart. Ah, je sais pas, mais je l'adore. Quand j'ai découvert, en fait, j'étais attiré, c'est malin, par la sculpture. Je voulais en avoir une. Oui, pardon. Si ça tombe au moins, ça veut dire que c'est pas sur le sol. Ouais. Merci pour l'eau. Ouais, je t'en prie. La prochaine fois, j'amènerai une thermos d'eau fraîche. Ou alors plus de bouteilles de Perrier. Peut-être plus la deuxième solution. Parce que là, je suis légèrement chaud. Ouais. Eh oui, vous me voyez boire de l'eau. Oui, d'ailleurs, je me ressuyais. Ouais. Je me ressuyerais à la serviette parce que je dégouline. Ben, ça fait du bien encore une pause parce que là on finit vraiment par être usé. Là. Après, on est à 5 heures de marche. 5 heures de marche. Ouais. Ouais, j'avais dit 6-8 heures. Mais ça va être plus facile quand ça va être la descente. Ça va être beaucoup plus facile. Ah là 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 là. Ah. Je sais pas si je peux filmer en. Enfin, tu vas être mal à l'aise. Peut-être pour une fois que je te filme pas et qu'on t'est juste à la voix, tu seras peut-être plus à ton aise. Comme tu veux, ouais. Ouais. Je pense qu'ils t'ont pas mal vu. C'est, je veux dire, c'est un peu à mon tour. Ouais. De paraître face caméra. Ouais. Je m'écarte un peu plus vers l'objectif. Ouais, je monopolise l'antenne. C'est ma chaîne. Ouais. Oh la vache. Oui, mais je crois que le monsieur qui était torse nu, à mon avis, n'était pas que torse nu avant qu'on arrive. Oui. Avec son vélo, je pense qu'on l'a, dégagé d'un magasin. Non, enfin, voilà quoi. Oui. Il voulait être seul au monde et dommage. Et encore, on est arrivé plus tard que d'habitude. Mais je voulais absolument faire cette étape. Alors, je refilmerai tout à l'heure rapidement en repartant. Là, tu peux voir Froboze, il y a une sépulture qui est entourée, grillagée au sol. C'est un malheureux soldat qui est mort foudroyé à cet endroit. En 1900, je ne sais plus quand, on ira voir rapidement la sépulture en mémoire de l'homme. Ah oui. Mais c'est un militaire qui est tombé, pas forcément au combat, mais qui est tombé foudroyé ici. Il y est resté. Oh la vache. Les boules. La vie est bizarre des fois. Ça s'arrête brusquement. Tac, le mec. Bah, tu sais qu'il y a un classement assez sordide des morts les plus originales, entre guillemets. Ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait peur. Et il y a un mec qui a vraiment pas eu de bol. Il est mort en extérieur en se mangeant un météore. Ouais. Il se promenait et un météore venu de l'espace, en plein dans sa gueule. On dirait un mauvais sketch humour noir façon Simpson ou South Park, là. Mm-hmm. Mais voilà. C'est impressionnant. Le mec est mort, crâne explosé par un caillou de l'espace. Ouais. Et il y a des morts absolument, absolument dingues, quoi. Non, il y a petite parenthèse morbide, comme on a lancé le sujet. Moi, je me souviens, on m'avait pas raconté, c'était un reportage télé. C'était un reportage sur le métier des huissiers et huissiers de justice. Et il témoignait les pires moments de son métier. Et en fait, à un moment, il était appelé pour un constat d'adultère. Mmh. Et donc, le gars, il repère le couple fautif en adultère. Et quand l'huissier s'est fait repérer ou s'est manifesté auprès des fautifs, qui s'était cuit, en fait, il avait ses preuves, le mec s'est barré, ils étaient, je sais pas, dans une chambre d'hôtel ou un bâtiment au moins deuxième étage. Il s'est barré par le balcon, il s'est barré par les toits, je crois me souvenir dans le détail, peut-être vêtu d'un caleçon ou dans sa tenue d'Adam. Ouais.
C'est dire à quel point l'effet de surprise était là. Ouais. Et il s'est barré sur les toits. Sauf qu'en voulant se faire la malle et pas être pris en flagrant délit d'adultère, bah, le malheureux est passé au travers d'une mauvaise plaque de toit, je sais pas, d'une usine désaffectée ou d'un entrepôt, je sais pas quoi, tu sais, les plaques de tôle. Ouais. Il est passé au travers, en contrebas, mort. La chute. La chute, où je crois même qu'il avait même fini en brochet sur un truc de pylône, de barre de fer, je sais pas quoi, enfin l'horreur quoi. Ah oui. La mort à la Tomb Raider, tu vois, les pics et terminé. Non, il y a vraiment des morts durs. Dur, dur, dur. Un dernier exemple, trash. Un dernier, mais là aussi, ça c'est terrible. Et un bambin. Des parents en bagnole. Le bambin attaché à l'arrière, plus dans le siège bébé, mais le jeune gamin de 4-5 ans, quand il peut commencer à être sur la banquette arrière. Et les parents sur la route des vacances, qui avaient un peu ouvert pour aérer dans l'habitacle. Le père conducteur avait mis à mi-hauteur sa vitre de véhicule et on voit que j'ai une bestiole qui était devant l'objectif là, qui se trimballe dans le... Ça va vite hein, les bestioles. C'est pas une tique mais c'est pas... Bref, pardon. Et un camion qui croise en face, juste sur la route. Le problème, le camion, bah, il approchait des graviers et le gravier s'est logé dans l'œil par-dessus la portière. Enfin, tu sais, elle rentre à l'intérieur de l'habitacle et manque de bol. Le concours de circonstances de la physique, le gravier allait se loger dans l'œil du gamin. Ouais. Il est mort d'une hémorragie interne. Ça fait comme une balle, quoi. L'horreur. C'est con, ça peut arriver. Et les boules, quoi. Tu peux pas déjouer les lois de la physique. Voilà, c'est des derniers exemples. Je vais pas te rendre mal parce que je vois que tu commences à faire la grimace. Ouais. T'es bien sensible. Ah, oui, mais ouais. Voilà, mais bon. Mais je sais qu'il y a un classement sordide, je sais plus entre guillemets à la mode, mais à une époque j'entendais souvent parler. Et voilà, oui, il faut se dire que la vie tient un peu de choses. Hein. Tiens, on voit la bestiole qui grimpe sur le téléphone. Ouais. Ouais. Attendez, je vais peut-être la chasser là parce que c'est. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est intermédiaire entre une chenille et un cloporte. Non, c'est pas une tique. Ça, c'est pas une tique. Mais. C'est pas souhaité. Attendez, pardon, je vais faire un manip de la caméra parce que l'insecte m'énerve. Putain, ça s'accroche bien en plus. Ah la vache, je l'ai tiqué en comme une bille. Ça filme encore. Attends, je vérifie. Oui, apparemment. Oui, ça filme encore. Donc c'est je laisse. C'est la question qui sera à venir éternellement pendant tout le randonnée. Est-ce que ça filme? Bah oui, ouais, comme ça peut couper. J'ai posé au moins 10 fois la question, je crois, et puis je t'ai posé la question discrètement dans la tête. Allez, je vais. En espérant qu'il n'y ait pas de guêpe, je vais pouvoir finir le dessert. Dommage, il est. Ouais. Il est un peu écrasé, mais je pense qu'il est toujours. Ouais, bah il y a le sopalin qui a bu un peu le sucre, mais ça va, je vais l'avoir en un seul morceau. Oui, ça fait un peu purée. Un peu purée. C'est un peu dur, mais je vais au moins essayer de manger les fruits, quoi. Peut-être pas forcément la pâte, pardon. Oui, pas de soucis, hein, parce que c'est pas présentable, c'est écrasé, quoi. Ouais. Regardez cette saveur. Ouais. Oui, c'est bon. Oui, un ou deux jours de plus, on est parti dans le compost. Dans le compost du jardin de ton pote. Je vérifie. Alors là, je touille un peu. Je veux vérifier qu'il n'y ait pas éventuellement de reste de la guêpe ou je sais pas quoi, on sait jamais. Et c'est là je vois une guêpe morte dans le. Ah. Faire gaffe là. Là maintenant, tu vois, j'apprends un peu. Il y a un planeur juste au-dessus là. Oui, j'ai vu une ombre portée, ça m'a fait bizarre. Le mec il est un peu bas, il peut-être atterrir. Possible. Alors une fois. Regarde, il est juste là. Tu on parles voit. D'avion bas, mais. Ouais, il est là. Dans le secteur, ça fait un peu peur. Ici même. Moi j'ai eu l'avion qui s'apprêtait à atterrir, mais le problème c'est qu'il était dans mon axe. Donc j'étais, sans déconner, il est passé à peine quelques mètres de moi. C'est limite si je ne me suis pas planté au sol, couché au sol. Ouais. À cause du souffle de l'avion, de l'aéronef, qui m'est passé au-dessus pour atterrir, quoi. Et quand c'est ça que tu étais sur une piste d'atterrissage? J'étais pas sur une piste d'atterrissage. J'étais sur le sentier qu'on a arpenté tout à l'heure. Ah oui, c'est bien. Juste que le mec, le pilote, il m'a pas vu. Il était en train de reprendre de l'altitude au niveau du flanc du plateau. Et c'est au moment où il repartait en piqué pour atterrir sur le plateau qu'il a dû me voir au dernier moment, mais il pouvait pas m'éviter.
Il ne pouvait pas deviner que j'étais là. Lui-même savait qu'il prenait un risque D'accord. en approchant de la piste, en étant si proche des lieux de randonnée. Ouais. Moi, je n'étais pas en faute, hein. Ouais. Mais d'avoir l'avion qui est. Voilà, alors là encore, il est haut. Là encore, il est haut. Mais je te dis, l'avion, il est passé au-dessus de moi. Il était largement à la cime des arbres. Hein. Donc, D'accord. tu vois le truc qui t'arrive dessus, tu dis, oula! Ah, Donc, je vois j'étais vraiment à la Ah, mais limite de m'allonger au sol. je crois que tu étais sur la piste d'atterrissage, mais du coup. Mais non! Ah, ok. Non, pas Préparer suicidaire. un malheureux concours de circonstances, ils n'avaient pas délimité le terrain. Non, non. Non, c'est le pilote qui a pris un risque. Il gère le vent aussi, il gère le vent. C'est rigolo les dessins dessus. Ouais, c'est ça qui m'avait attiré, c'était les gravures sur la bouteille. Ça fait eau de eau bourgeois, j'aime bien. Ah! Ouais, c'est stylé, un peu comme les parfums. Voilà, je vais savourer un peu la farce, un peu gratter, mais c'est vrai que la pâte, je t'avouerai honteusement que j'aime pas trop la pâte. Ah, Je suis une d'accord. exception depuis quelques années. Encore jeune adulte, j'étais catégorique. Les pâtés lorrains, je mangeais honteusement que la farce. Ah bah, le pâté lorrain, c'est quand même humide. Là, je dirais que j'ai un peu raté la cuisson, j'ai mis trop épais. Mais quand c'est bien cuit, c'est friable et c'est bon. Mais les pâtés lorrains, et puis les abricots et la mygaine renvoient beaucoup d'eau. Pourtant, j'ai mis de la maïzena pour que ça contienne. Mais la pâte est très. Manquait d'être un petit peu de cuisson parce qu'elle était épaisse. Pourtant, j'ai pris des métalliques. Je ne connais une personne, je connaissais quelqu'un. Des moules métalliques, en fait, j'ai utilisé. Donc, c'est bien censé bien conduire la chaleur. Mais ouais. Original, hein, je connais pas là. Puis alors, bah, j'ai tout fait maison sauf La les tige. abricots, ils viennent pas de. J'ai pas de jardin, mais les abricots. Mais la pâte, j'ai fait moi-même. Oh, merci. Ah, pardon, alors là, je te fais pas trop honneur parce Ah, que. mais je reconnais qu'elle est pas assez cuite. Voilà, qu'elle est un peu épaisse. Et c'est la première fois que je fais de la tarte à l'abricot. C'est bien. Non, mais j'ai apprécié, merci. Oh merde, bah tu vois, je suis en train de m'en foutre plein partout. Ah. Je mange comme un goré. Oh là là. Hop là. Pardon. Hop là. Hop là pour les oiseaux. Bon, bah là, je le fais sans scrupule parce que c'est biodégradable. Oui. Oui. Avec la pluie, ça va partir et ça va faire de la terre. Oh, les fourmis, à la Ah fin oui, de. à la fin il reste plus rien. Oui, il n'y a plus rien. En soirée, il y a des fourmis si elles sont voraces. Hein. Ouais. J'ai pas pensé aux fourmis, j'avoue. Mais il y en a Rien que plus les de nulle fourmis. part. Ça fait du bien de se mettre une petite pause, hein, parce que marcher, 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 c'est bien, mais c'est fatigant, mais c'est bien. Ouais. C'est pour ça qu'on fait plus de pauses vers la fin. Ouais. Allez. J'avais prévu le coup. C'est normal. Hein. C'est normal. Là, on va faire la dernière partie endurance. Voilà, pardon. Je vais m'arrêter là. Mais, Ouais. oh merde, ils s'en foutent partout. Offrons à la nature Excuse-moi, je te la restitue au préparation. centre là. Ouais, alors. Alors, je vais évidemment garder le sopalin, mais. Je vais balancer ça. Je prends un témoin, je récupère comme le sopalin. On ne pollue pas. Ah, et ben merci toute la. Bah de Tiens, rien. je vais me mettre sur le côté. Ah, c'est limite, je suis en train de me dire, j'ai une légère envie au niveau de la vessie. Est-ce que je vais soulager ma vessie ou pas? Vas-y, vas-y, je garde les Bah, je sais appels. pas, tu vois, j'hésite. Je commence à sentir et je me dis finalement, je peux peut-être tenir le restant de la journée. Parce que je vais peut-être faire la dernière traite avec toi, la descente sur la ville sans pause. Donc, peut-être sans boire. Donc, c'est peut-être pas plus mal que je ne.
qui saute pas. Non, là c'est bon, je te restitue le gobelet, merci. Ah, oui, Bose, merci. Bah oui. Du coup, tu veux garder la bouteille ou pas? Non, je te, c'est je te, bon. Non, non, merci. Non, je te la restitue plus tard à la fin de notre périple. Mais... Ah non, mais tu peux la. Mm-hmm. Enfin, attends, moi j'y ai passé. Ok, ok. Il ne faut pas trop boire pour pas trop. Il faut boire un minimum, mais pas boire trop pour éviter de. Ouais, d'être pas bien. Ah oui, tu m'étonnes qu'en ville, oui, ça va pas le faire. Oui, ça filme toujours. Oui, ça filme toujours, vous me voyez. Hein? Attends, j'essaie de faire tenir la caméra. J'aimerais te montrer un truc. Voilà, ouais. Petit clin d'œil à l'ami Bastos. Si je me trompe pas, parce que Frobose me dit que c'était Fun Fan, mais moi j'ai souvenir que c'était Bastos qui nous en avait parlé. Ta-da. Je peux l'exhiber fièrement. Fort Boyard, Fort Boyard. Ouais, je sais pas si elle se voit bien, si je cadre bien. Voilà, la fenêtre, la serviette de bain du Fort Boyard. Je sais pas si on voit pas tout bien, mais c'est pas grave. En fait, vous avez vu le tigrou principal. Voilà, j'ai la chance d'en avoir un exemplaire. Hop. Ouais, on va repartir. Et là, on va faire la descente sur la ville pour se retrouver Plastane. J'hésite. Est-ce que je garde encore ma coiffe? Parce que le soleil est plus vraiment là. Mais il est plus là. Ouais, il va être encore un peu là. Je sais pas, j'hésite. Est-ce que je garde encore sur le caillou ma coiffe ou est-ce que je la range? En tout cas, je vais discrètement dans les bois et hop. Toi, tu veux te soulager? Un petit peu, oui. Ouais, bah vas-y. Ouais, vas-y. Alors qu'un cycliste est en train de passer. Oh, prends le temps que tu veux. Alors moi, je m'en rassois. Voilà. Eh oui. Besoin de satisfaire un besoin naturel, comme on dit. Je suis en train de faire basculer la caméra, c'est l'horreur. Mais j'avouerai, moi qui suis bon marcheur, bon randonneur, que bon, là, j'ai plus mal aux pieds, mais je commence à avoir la barre de fatigue. Ça commence à venir. Donc, tous les deux, là, chacun de notre côté, Frobose et moi, on va bien dormir cette nuit. C'est bien, ça permet d'éliminer, ça fait du sport. On va aller voir rapidement ce que je parlais tout à l'heure, la sépulture du malheureux qui s'est fait foudroyer.